Je disais, nous avons été bénéficiaires de la récente ordonnance nous portant en grade et en fonction à la tête de la police. Et il va de soi que la police étant mobilisée à la justice, les présomptions de civilité au président de la Cour constitutionnelle, puis nous faire voir que voilà, nous appartenons désormais à la famille de ceux qui peuvent décider du sort de ce pays. Durant notre entretien, de la part du président de la Cour constitutionnelle, nous avons eu des recommandations conformément à la Constitution, parce que nous avons des attributions constitutionnelles. Et monsieur le président nous l'a rappelé, que nous avons pour mission de protéger les personnes et leurs biens. Nous sommes obligés de la justice. Si la police ne marche pas, enfin, si la justice ne marche pas, c'est que quelque part la police n'a pas marché. C'est parce que l'état de droit n'est pas seulement l'apanage du magistrat, mais aussi l'apanage de la police qui est auxiliaire de la justice. Donc nous devons travailler en synergie avec la justice pour qu'effectivement l'état de droit soit assis dans notre pays. Nous sommes résolument déterminés à faire de ce pays un état de droit par tous les moyens légaux que la Constitution nous reconnaisse. Et les Congolais peuvent compter sur nous, que nous allons faire de notre mieux pour que les choses aillent selon la vision chère de l'État.